something to say. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va tester un PES Person de chez Homever. Ce PES Person permettra quand même 13 analyses corporelles différentes. Il tolère quand même un poids aussi de 180 kg. On pourra connecter 24 utilisateurs. Ça fonctionne avec les iPhones de chez Apple et les téléphones Android. Il faudra utiliser l'application FitD, ça on le verra dans ma vidéo. Et on pourra synchroniser cette application avec d'autres applications sportives ou de santé, comme Fitbit, Google Fit, Apple Health et Samsung Health. Je vous en dirai plus. Maintenant, passons au déballage. On a directement une petite carte de Homever qui nous dit merci. Ou si on veut évaluer, ok, bon, ça par la suite. Donc un petit manuel ici pour l'application. Donc c'est en anglais. Ils le vendent sur Amazon, mais il n'y a pas de ici pour l'instant. Je vois pas de français. J'espère que dans le manuel il y aura du français. Oui, il y a du français. Donc à partir de la page 7, on pèse un pédancemètre intelligent manuel d'utilisation. Voilà, donc on voit le compartiment des piles, voilà, bon, le manuel. Donc ils nous disent bien qu'il faut se peser pieds nus, il ne faut pas le faire avec des baskets ou des chaussettes. Sinon, ça ne va pas mesurer le taux. On peut le faire, bien sûr, si on veut se peser. Juste savoir son poids et se peser avec des chaussettes, on peut le faire. Ça, c'est pas, je pense pas que ça pose problème. Mais si on veut toutes les mesures et utiliser donc totalement cette balance, il faudra le faire pieds nus. Bon, en général, on se pèse en sortant de la douche, voilà, ou de son bain. Allez, bon, manuel, c'est bien, il est en français. Maintenant, on a la balance. Elle n'est pas très lourde. Elle doit peser un petit kilo. Le PES Person fait 1,385 kg, donc j'ai été le peser. Voilà, hop. En tout cas, c'est très joli avec son plateau en verre. Donc c'est surélevé, on a des genres de capteurs ici et qui sont surélevés. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, on accroche. Mais en tout cas, c'est beau, c'est joli. Les dimensions, donc on aura du 30 cm sur 26 cm et une épaisseur. Donc si on prend ici, on aura 1,8 cm. Si on prend avec le pied, on aura 2,2 cm. Ici, donc le plateau de verre, on a un bon plateau de verre. Donc il fait ici, donc le plateau de verre, donc 0,5 cm. Donc on a un bon gros plateau de verre ici. Donc ça, c'est joli. L'écran qui fait 2,8 cm sur 7,4 cm. Voilà, bon. Il ne reste plus qu'à installer les piles et ce sera en fonctionnement. Donc les piles, on le voit ici, sont déjà installées. Il n'y a plus qu'à enlever la languette. Et ça, je trouve ça sympa. Hop, sinon, moi, je vais regarder. Donc les piles triple A. Donc c'est les petites piles de télécommande. Donc c'est bien, ils en demandent que deux piles, rien de plus. Donc ça c'est bien. Ici on a un bouton. Donc c'est pour changer l'unité de mesure. Donc le bouton ici pour changer l'unité de mesure. Voilà, donc si ça dépend son pays. Donc nous normalement il est déjà mis en kilos. Donc je vais enlever la languette, ce sera plus simple. Voilà, hop. Voilà. Donc quand on fait pression,
donc qui s'affiche. Regardons un petit peu en détail l'application FitD. Donc la première chose que vous allez devoir faire quand on démarre l'application, bien sûr, c'est de vous créer un compte. Donc c'est votre adresse email et mot de passe. On ne va pas recevoir d'adresse d'email de retour pour la validation. Vous serez tout de suite connecté. Les premières choses que l'application va nous demander, donc moi je vais retourner sur le compte comme ça je peux vous montrer. C'est si bien sûr si vous êtes un homme, une femme, vous pouvez changer votre photo de profil ou mettre comme moi un logo comme ici. Donc personnaliser l'application. Vous avez le nom d'utilisateur, hein, ça, vous mettez ce que vous voulez, la date de naissance, la taille, l'objectif de poids. Vous avez aussi un mode athlète, donc si vous faites beaucoup de sport, moi je fais un peu de sport, mais je ne vais pas mettre quand même le mode athlète, mais je vais vous montrer, si on coche ici, ils nous disent, donc ils nous expliquent quel est le mode athlète. Il est recommandé d'ouvrir les utilisateurs qui pratiquent un exercice physique depuis longtemps ou dont la fréquence est supérieure à 3 fois par semaine. Quelle est la différence entre le mode athlète et le mode normal? Le mode athlète ajustera le modèle de calcul de la composition corporelle uniquement pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Voilà, donc ça change un petit peu les données de l'application pour que ce soit plus conforme avec votre rythme de vie. Ce qu'on voit ici, c'est le poids, le BMI ou qu'on appelle aussi IMC. Donc le BMI, c'est en anglais, c'est Body Mass Index, et le IMC, ça veut dire indice de masse corporelle. Ici, on a la graisse corporelle, donc on va voir ça en détail. Donc je vais cliquer ici sur plus de données, voilà. Ou on peut cliquer ailleurs, hein. Je peux cliquer ici par exemple, et on aura la même chose. Donc là, on voit mon poids, donc 67,9. Le poids peut être considéré comme indicateur de la santé générale. Et là, on voit bien, selon ma taille et tout, que je suis au niveau standard. Donc, si l'application va considérer, donc c'est au niveau des analyses surtout, hein, c'est pas que l'application, l'application est faite sur base de données de la santé. Donc, si je suis en dessous de 57 kg, ben, je serai considéré comme trop mince. Et au-dessus de, on va dire, 78 kg, 78 kg, je serai en surpoids. Donc l'IMC, ce qu'on avait vu, donc l'indice de masse corporelle, hein, norme internationale, donc c'est le poids corporel sur la taille au carré. Et là, je fais 21,9 et je fais aussi du standard. Au niveau de ma graisse corporelle, 19,1%, donc je suis aussi proportion de tissu adipeux dans la composition corporelle, donc au niveau de la graisse, donc 19,1% de graisse, donc je suis dans le standard. Le poids sans graisse, donc 54,9 kg, voilà. Donc ils mettent en plus de la graisse le poids des autres composants, du corps, le muscle et la partie principale. La graisse sous-cutanée, 13%, donc je suis aussi en standard. Donc tissu adipeux sous-cutané présent au milieu du derme et des couches adipeuses. La graisse viscérale. Donc la graisse viscérale est un type de graisse corporelle qui, contrairement à la graisse sous-cutanée, entoure les organes du corps humain et se trouve principalement dans la cavité abdominale. Donc c'est la graisse qui entoure les organes. Donc là, je suis en moyenne, donc ça va, je suis à 7,7. L'eau corporelle. Le poids de l'eau est le poids des liquides qui s'accumulent dans vos tissus et les font gonfler. Et là, je suis un peu faible, apparemment, je suis entre faible et standard, donc je suis sous vraiment limite. Le muscle squelettique. Le corps humain est composé d'un certain nombre de tissus musculaires. Et là, je suis aussi en standard, 55,6. La masse musculaire, donc le poids des muscles du corps entier, y compris les muscles squelettiques, la myocarde, les muscles lisses, l'humidité, etc. Bon. 51,5, la masse osseuse, donc 2,9 kg de masse osseuse. Donc la masse osseuse est une mesure de la quantité de minéraux, principalement du calcium et du phosphore, contenus dans un certain volume d'os. Les protéines sont des éléments constitutifs des tissus corporels et peuvent également servir comme source d'énergie. Et là, je suis en élevé, bon, je suppose que c'est pas mauvais. Donc c'est pas mauvais avoir trop de être avec des protéines bien sûr.
taux métabolique basal. Donc c'est, je suis à 1525 calories, donc c'est donc quantité d'énergie que le corps humain doit consommer pour maintenir la vie dans un état inactif. Et là, je suis faible. Donc ça veut dire que moi, je mange pas beaucoup non plus. Donc ça veut dire que si je mange trop, j'ai plus de risques de grossir plus vite. Donc moi, je dois manger pour, on va dire, donc je brûle 1525 calories, ce qui est pas énorme, hein, ce qui est pas énorme. Mais bon, c'est une base. Donc, bien sûr, les données que vous avez dans l'application, c'est à titre indicatif. C'est pas, ça aide, ça mesure, hein, bien sûr, mais ça reste toujours à titre indicatif. Donc, l'âge corporel, selon la balance, hein, le pèse-personne, j'ai un âge de 37 ans, ce qui est positif pour moi, puisque ça me rajeunit. Donc, mon corps est plus jeune que l'âge que j'ai. Et donc, ça, c'est bien. Si on a un âge vraiment trop élevé par rapport à l'âge réel, ben, ça serait un problème. Voilà, donc là l'application nous le dit, hein, tous les indicateurs, donc ils se protègent aussi, hein, tous les indicateurs sont obtenus en mesurant la biorésistance du corps humain à travers l'équipement, donc échelle de graisse, et en combinant la composition du corps humain. Ce produit n'est pas un dispositif médical, les données de mesure et les résultats sont à titre indicatif uniquement et non comme base médicale. Donc l'application, bien sûr, nous précise tout ça. Passons à ma conclusion. Donc là, le pèse-personne, vraiment, il m'a rassuré sur mon état de santé, entre guillemets, sur mon poids. Il m'a bien prouvé que j'étais de taille standard, hein, que j'avais pas au niveau de problème, donc j'étais bien équilibré. Donc ça m'a rassuré là-dessus, donc ça c'est bien. Bon, ça n'empêche pas d'aller voir un médecin si un jour j'ai un souci ou j'ai une inquiétude. Mais ça m'a rassuré, donc au niveau de mon poids et tout, que je suis bien de taille standard et de poids standard. J'ai un objectif ici à atteindre, donc j'ai mis, comme je vous ai dit, 68 kilos. Donc, que je reste toujours dans la moyenne, donc ça me permet de bien surveiller mon poids, de pas trop être au-dessus ni trop en dessous. Donc ça c'est bien. Donc j'en suis sûr, ça peut permettre à beaucoup de personnes soit de perdre du poids ou de prendre du poids et rester sur un objectif, hein, au niveau du sport et tout. Au niveau de l'application, donc je vais vous montrer ici par exemple de Google Fit. Voilà, on peut synchroniser ces données. Donc on verra au niveau du poids. Donc au niveau des autres données, donc moi j'ai l'analyse aussi du sommeil grâce à mon bracelet Mi Band 4 ici. Bon, il y a d'autres données pour d'autres usages, hein, mais ça c'est au niveau de Google Fit. Mais au niveau des données corporelles et tout, donc on voit bien ici que les données sont bien reprises. Donc il reprend le poids avec l'application FitD qui est connectée ici. Voilà, donc j'ai pris apparemment 700 grammes par rapport au début que je me suis pesé et autres. Donc on le voit directement sur l'application Google Fit. Donc si on veut utiliser qu'une application, voir un peu le tout, on peut utiliser les synchroniser avec d'autres comptes. Voilà, je sais que certains vous utilisez d'autres applications. Donc voilà, donc Google Fit, il peut centraliser. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. I need your touch and I will show you just once enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, let's pop. But no, what am I doing wrong? I feel your clutch.